y a un peu plus de 500 ans, la Réunion accueillit une herbe géante qui changea pour toujours son destin. Résistante aux aléas climatiques et aux cyclones, elle s'est développée sur toute l'île. Venez, rapprochez-vous et faisons connaître... Oh, un tout petit peu trop frais, là. C'est mieux. Moi, on m'appelle la canne à sucre. Je sais, avec un nom comme ça, c'est facile de deviner à quoi je sers. À fabriquer du sucre. Mais je sers aussi à plein d'autres choses, car la canne à sucre, c'est avant tout une grande famille. Mais attention, pas n'importe laquelle, une famille de super-héros. Bah alors? Un peu d'enthousiasme, quoi. Vous ne me croyez pas? Bah, c'est parce que je n'ai pas de cape, c'est ça. La cape, c'est dépassé, vous allez voir. Nous sommes les cannes fantastiques! Nous avons eu plus de 500 ans pour développer nos pouvoirs. Maintenant, fini les transports en charrette. La culture de la canne est moderne et représente même une source de développement pour toute la Réunion. Voici Canne Force Bleue! Lui, c'est la bagasse. La bagasse est le résidu que l'on récupère après le broyage de la canne. En la brûlant dans une centrale thermique, on produit de l'électricité. Le pouvoir de Super Bagasse permet d'alimenter 12% de l'électricité de l'île. Une production équivalente à 145 000 tonnes de charbon. Pour notre environnement, la bagasse est donc un gros avantage. Canne Force Blanche et Canne Force Jaune sont souvent ensemble. Force blanche, c'est l'écume. C'est ce qui provient de l'épuration du jus de canne. Une fois récoltée, elle est pressée puis compactée sous forme de tourteau pour être ensuite utilisée comme engrais. Son super pouvoir lui permet d'améliorer grandement la qualité des sols. Grâce à force blanche, on évite aussi d'utiliser des engrais chimiques. Force jaune, quant à elle, c'est la paille de canne. Elle sert de litière et de fourrage pour les animaux, mais aussi de compost pour les cultures maraîchères ou les plantes à parfum. Force blanche et force jaune sont donc une aide précieuse pour les agriculteurs réunionnais. Force jaune et force blanche sont souvent accompagnées de canne force mauve. C'est la mélasse, un sirop très épais qui n'est pas utilisable pour faire du sucre, mais qui peut servir à fabriquer de l'alcool. Elle est également utilisée en tant que complément dans l'alimentation du bétail et facilite la digestion des vaches, par exemple. La dernière des cannes fantastiques, c'est force verte! N'est peut-être pas la plus visible, mais son action est primordiale pour la Réunion. Car la canne à sucre est en fait une herbe géante. Ses racines sont très développées, ce qui permet de lutter efficacement contre l'érosion des sols. De plus, ses racines facilitent l'infiltration des eaux de pluie, favorisant le renouvellement des nappes phréatiques. Ce n'est pas tout. La canne à sucre est aussi un véritable piège à carbone. Elle stocke l'équivalent des émissions annuelles de CO2 de toutes les voitures réunionnaises. Mais attention, comme tous les super-héros, nous avons un ennemi juré, le ver blanc. Le ver blanc attaque les cannes par le bas avant de les grignoter entièrement. Mais heureusement, la recherche a permis de développer une lutte biologique. Grâce à un champignon, le Boveria, le ver blanc peut être stoppé et éliminé. Même pour lutter contre leurs ennemis, les cannes fantastiques privilégient une solution écologique. Tout cela est possible grâce à un centre de recherche réunionnais au rayonnement international, AirCan. Comme dans les bases secrètes des super-héros, c'est ici que l'on recherche les prochaines innovations de la canne à sucre. La canne à sucre est une ressource majeure de la chimie verte. On l'utilise ainsi pour produire du papier, du carton, des isolants thermiques, du bioplastique, des produits textiles, des cosmétiques. Les ressources de la canne sont infinies! Et le sucre dans tout ça? Pas besoin de super pouvoir. La Réunion est le premier producteur européen de sucre de canne. Elle produit 210 000 tonnes de sucre par an. Blanc, blond, roux, roux de roux, le sucre de la Réunion se décline en une mosaïque de couleurs. Mais ça, c'est une autre histoire.